Et bonjour Internet, bonjour amis, ici Kaz, bienvenue sur Ion Classique Europe. Ça y est, les serveurs viennent tout juste d'ouvrir. On est dans les premières heures du serveur, on va vivre ensemble les premiers pas sur Ion Classique Europe. Je le rappelle pour ceux qui débarquent de la Lune, le jeu est distribué en free-to-play par Gameforge. Et on va tenter ça. Alors c'est un petit peu le bordel, c'est compliqué de se connecter actuellement parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de se connecter. Et on voit qu'il y a deux serveurs actuellement disponibles en Europe. Nous avons Atria et Tabata. Alors il me conseille Atria. Et bon, on va prendre Atria. Donc c'est parti. Je sais pas ce que c'est que cette musique de type remix. Alors on entend la musique originale du jeu, mais ça fait un peu remix, un petit peu métal. Je sais pas, c'est un peu vénère. Donc je disais, bon, il y a une file d'attente, ça c'est pas bien grave. Vous voyez que ça passe un peu vite. On était au 75e. Ah, on vient de remonter, c'est bizarre. Bref, on a une file d'attente qui est en cours. Mais c'est surtout, je vais tout de suite en parler, il y a des problèmes lors de la première connexion. Quand vous lancez le jeu, il se passe rien. En gros, vous avez l'écran que vous voyez derrière, là, l'espèce de pylône qui tourne et rien d'autre. Aucune information à l'écran, rien qui n'apparaît. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut faire un Alt F4, fermer le jeu et le relancer jusqu'à ce que vous ayez une interface qui apparaisse. Alors, il paraît que c'est parce qu'il y a tellement de monde que le jeu n'arrive même pas à vous charger l'interface de départ, au fait, pour pouvoir choisir votre serveur et vous connecter. Si vous voulez me rejoindre sur Ion, classique, je vous le disais, le jeu est distribué en free-to-play, ça se passe avec le launcher Gameforge, je vous mets le lien en description. Je précise qu'il est gratuit, mais il y a quand même un abonnement qui est disponible, j'ai pas encore le tarif en tête. Mais sachez que, sans abonnement, mode gratuit, vous avez une heure de buff premium par jour. C'est-à-dire que, pendant une heure, tous les 24 heures, en mode free-to-play, sans rien payer, vous avez le bonus comme si vous étiez abonné pendant une heure de jeu. Voilà, une fois cette heure passée, vous repassez, votre buff disparaît et vous n'avez plus le bonus des abonnés. Donc le bonus des abonnés, qu'est-ce que c'est? C'est notamment un taux d'XP un peu plus élevé, un taux de drop d'argent un peu plus élevé, un taux de loop un peu plus élevé. Alors, moi je suis Team Asmodien. Voilà, je suis un peu bloqué dans mon délire. C'est comme World of Warcraft, j'ai toujours joué Horde et Ion, j'ai toujours joué Asmodien. On va donc continuer. Règne en maître sur Asmodée, la moitié supérieure du monde d'Atreya. Ils vivent dans une région dure et sombre, mais c'est là qu'ils ont grandi. L'obscurité est désormais leur allié. Depuis le grand cataclysme, ils sont devenus sauvages et ont pris l'apparence de bêtes. On prend les Asmodiens, à savoir que si vous créez un Asmodien sur un des serveurs, vous ne pourrez pas créer un Elysien sur le même serveur. On a 4 grandes classes de départ qui vont se spécialiser au niveau 10. Les guerriers, ok, qui peuvent faire du dégât cac et qui peuvent tanker. Éclaireurs, qui peuvent faire du dégât cac ou du dégât distance. Les mages, qui peuvent faire de l'invocation et du DPS magique instant. Et les prêtres, qui sont là pour le heal et le soutien. Alors, c'est difficile pour moi de choisir une classe sur ce jeu. J'ai beaucoup joué à Ion à l'époque. J'ai pas mal joué à l'époque un prêtre qui s'était transformé en... Alors, pas le healer, mais l'autre, j'ai oublié le nom. Les mages, je trouve ça un peu plus compliqué à jouer. Et ce qui est vrai, ce qui est pas mal, c'est que vous avez l'éclaireur qui peut fufu, être en furtif, notamment pour le PVP, c'est vraiment sympa. On est quand même sur un MMO classique, un MMO un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que si vous allez faire votre leveling en tant que tank, ça va être dur. Ça va être dur de faire du dégât. Si vous faites votre leveling en tant que heal, ça va être dur aussi. Voilà, c'est punitif quand même. Il faut garder à l'esprit que si vous voulez un leveling un peu plus facilité, prévoyez de jouer DPS. Et ben, je ne sais pas. Je vais partir, les amis, sur une mage. Car j'ai très peu joué mage à l'époque sur Ion. Donc c'est parti. On peut soit devenir sorcier, maître de la magie et de destruction massive, soit spiritualiste, qui a un mini pet en fait. Suivant, on va prendre une dame. Alors on va l'appeler Kaza. Est-ce que c'est dispo? C'est dispo. Et là on va commencer à créer notre personnage. Je rappelle que dans ce jeu, vous êtes quand même Ion, c'était quelque chose d'assez dingue. Vous pouviez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez votre personnage. Alors on va faire un personnage. J'ai soit athlétique, j'ai des trucs par défaut. Et lancée, généreuse, petite. On peut faire des persos tout petits. On va faire une athlétique. On va la... Hop, un petit peu plus petite. Et on va essayer de faire une morphologie plutôt sympa. Alors on va la mettre peut-être en culotte, ça sera plus simple. Pour définir un petit peu la morphologie de notre personnage. Voilà. Ion, c'est ça. Ion, c'est la possibilité vraiment de
modifié. Bon, le tour de poitrine, c'est pas la peine que ça soit non plus trop énorme. On peut vraiment modifier à souhait son personnage. Et je vous cache pas qu'on prend toujours plaisir sur Ion à faire ses petits persos, notamment féminins, hein, on va pas se le cacher. C'est toujours plaisant. Et bon, ça a un peu vieilli, ça se voit. Mais ça reste tout à fait Ryozam. Alors, on va laisser les proportions physiques comme telles. Et maintenant, on va choisir le visage. J'ai le choix entre 43 visages. Alors, il y a des trucs un peu du plaboum. Hein. Donc, c'est des visages de base. Et on va ensuite les personnaliser. Alors, il y a les grands classiques hein, qui reviennent sur Ion. Et il y a quand même un choix assez impressionnant de styles divers et variés. C'est pas mal aussi celles qui ont des cornes un peu comme des Drake. C'est pas mal ça. Alors on part soit sur un truc classique ou soit un peu plus funky. Bah, je ne sais pas, il y a trop de choix, il y a trop de choix dans le jeu. De toute façon, on va prendre un truc de base qu'on va modifier. Voilà, là on va prendre ce doux visage et on va choisir une autre coiffure. Et on va modifier ça tranquillement. Alors je prends volontairement pas mal de temps sur les premières minutes de création de personnage. Ça me fait délirer ça. Parce que on passe quand même énormément de temps avec un perso. La musique du jeu est toujours trop forte sur Ion. Ah ça j'aime beaucoup. Ah ça j'aime bien. Ok. Tatouage. Non. Contour du visage. Je vois pas trop ce que ça change. Un peu plus marqué. Que ce soit pas non plus une jeune fille de 12 ans. Hein. Cheveux. Couleur des cheveux. On va faire quelque chose de plutôt sombre. Je rappelle qu'on est avec les Asmodiens. On va faire quelque chose de sombre. Couleur des yeux, pareil. Restons dans le sombre. Les lèvres. Un peu rosé pulpeuse. Un peu. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et la peau. Bah, la peau. Tiens, on va la sombrir un petit peu comme ceci. Ça me paraît pas mal. Détail du visage. Alors là, on peut tout changer. Je vais pas m'embêter. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Hop, on va faire créer. Mon personnage est prêt, Amage de niveau 1, et je vais donc démarrer l'aventure. Ah oui, il faut créer un pin pour pouvoir vous connecter, donc créez votre pin et l'oubliez pas. Une guerre sans fin. Une guerre contre deux ennemis. C'est votre guerre, soldat. Et la victoire a un prix. Dans cette croisade contre les traîtres élyséens et les terribles Balors, massacrez-les ! Vous perdrez des amis, la victoire ou la mort. Et bien plus encore. Mais vous êtes l'un des Devas d'Asmodée et vous vivez pour servir. Vous êtes ici pour combattre pour l'éternité. Pour Asmodée. Lâche. Atreya ne vous appartiendra jamais! Tu vas le payer! Allez, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Allez! Votre destin? Connaître à nouveau l'ascension et devenir l'un des Devas immortels qui vole et combat dans l'ombre d'Asphel. Asphel Umbra, Deva. Ah, la nostalgie, les amis. La nostalgie, ça y est, regardez. Je suis in-game. Ça y est, je suis dans le jeu. Je suis entouré d'autres joueurs qui viennent tout juste de créer leur perso comme moi. On a eu la petite vidéo d'intro. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et je vais faire tous mes petits réglages graphiques, etc. Et voilà, les amis, j'en ai profité. J'ai refait un petit peu l'interface. Vous voyez, je l'ai un petit rapti ici. J'ai fait mes touches. Pensez bien à passer votre clavier à faire vos touches AZERTY. Hein. Tout est en QWERTY de base. J'ai mis un petit filtre. J'ai mis tout au maximum. Et me voilà, in-game. Donc, c'est ça dont je vous parlais. Regardez en haut à gauche, le buff actif. L'énergie de ciel. État actif gratuit. Gain d'XP 100%. Obtention d'objets de rang illimité. Gain de Kina illimité. Gain de puissance d'attaque PA. C'est parce que point d'action illimité. Collecte possible. Fabrication possible. Boutique privée possible. Obtention de récompenses de quête illimité. Échange de reliques illimité. Pensez donc, si vous pensez que vous allez jouer plusieurs heures par jour, que vous allez être limité par ce truc. Et qu'il va falloir vite passer à la boutique Ion. Et on va regarder si on a le prix. Notamment, énergie de ciel 30 jours, c'est 300 pièces d'or là, des pièces de Deva. Et bah, ça m'envoie sur internet, donc faut compter 10 euros. Voilà, ça vient à 10 euros un petit peu à peu près, les amis.
le pack. Allez, on va parler à Zach. Avez-vous à faire avec moi ? Nouvelle quête debout. Alors, vous pouvez tout lire. Moi, sur ce let's play début, enfin, sur cette vidéo découverte, je vais pas lire exprès toutes les quêtes. Mais c'est une simplicité sans nom. Hein. Vous suivez tout simplement. Pensez que la première étape, les 2-3 premières heures de jeu, peut-être même un peu plus, ça peut être plus 3-4 heures. Ça se passe du niveau 1 à 9. Et ça se déroule, voilà, chaque faction dans une zone des départs. Nous, c'est Ishalgun, si vous êtes joueur comme moi, Asmodéen. Et vous avez toute une série de quêtes qui va vous demander de... d'aller éliminer des sprigs, de faire ci, de faire ça. Alors, tiens, je vais vous montrer un truc vite fait. Là, compétence de ramassage. Vous pouvez récolter des trucs, notamment de l'Aria, ici. De la Sfa. Voilà, vous pouvez monter vos compétences comme c'est. Alors là, par exemple, il faut que j'aille tuer des ouvriers sprigs. Je suis mage, je connais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai en tant que mage comme compétence? J'ai l'attaque classique en 1, donc ça c'est vraiment le, je pars à l'attaque. En 2, éclair de feu, inflige 80 points de dégâts magiques de feu à une cible dans un rayon de 25 mètres autour de vous. On va essayer. On va essayer, tiens, faut que j'ai un ouvrier à désinguer ici. Je vais peut-être le mettre plutôt en 1, mon truc là. Ça, je vais le virer. Donc là, c'est vraiment mon attaque de base magique. Qui a l'air de faire le taf en plus. Et hop, je peux aller looter mon monstre et j'ai ramassé une dague là-dessus. Ce qui m'intéresse guère. Alors, mon éclair de feu, c'est ça. Maintenant, mon attaque de base classique. Ok, j'envoie une espèce de boule de merde. Ok, donc on est vraiment sur le premier mob, pardon. Il n'y a rien de dangereux et rien de méchant. Alors attention aux couleurs des ennemis quand même. Jaune, c'est votre niveau. Orange, c'est un niveau un peu plus élevé. Et enfin, rouge, c'est vraiment trop élevé et vous risquez de mourir. Alors, je disais que c'est pas compliqué, mais regardez ma barre de vie. Je prends un dégât, je perds allez, 20% de ma barre, donc attention toi-même. C'est pas le genre de jeu où vous allez aggro une carte entière sans vous faire de soucis. Généralement c'est compliqué quoi. Généralement si tu fais le foufou, t'es vite puni. Parlez à Vandar, éliminez des monstres sur le terrain ayant moins de 5 niveaux de différence avec vous. Ouais bah ça on va le faire, de toute façon on va aller rendre la quête auprès de Vandar, profiter de notre buff actif. Alors j'ai plein d'interfaces de boutons qui me parlent. Et les fenêtres. Ok, qui m'apprend à me déplacer, qui me dit fais ci, fais ça. Les sprigs sont morts, XP et les bandages. Alors les bandages c'est important dans le jeu. Ça vous permet de vous soigner. Un peu comme des potions entre chaque combat, ou même durant le combat, avec un cooldown. Donc ça peut sauver quand même un fight, ça peut sauver une vie. Allez voir le chef de Vandar, le lieutenant Gutheiten. Alors Gutheiten, il est plus loin. On va suivre le chemin. Là il y a un contre-maître Sprig, vous voyez, qui est niveau 2, donc il apparaît lui en orange par rapport à moi qui suis niveau 1. Donc vous pouvez taper dessus. Alors il y a des systèmes de résistance suivant les niveaux des monstres. Et là, on lui a pris la vie. Et il avait rien à me loter. Alors attention, ma vie, vous voyez, elle est pas ouf. Avec la touche W, je peux m'asseoir normalement. Voilà. Quand vous essayez, vous gagnez de la vie plus rapidement. C'est le mode repos. Donc pour régène entre deux combats, c'est très bien. Notamment si vous n'avez pas de bandage ou autre potion avec vous. Ah, j'ai quand même en 3, en 2, un enracinement. Qu'est-ce que c'est ? Immobilise une cible dans un rayon de 25 mètres pendant 20 secondes. Alors ça, c'est une incantation instant. C'est pas mal, mais ça se casse. Au dégât. Regardez, je vais essayer. Là, je balance mon éclair de feu classique. Il a pris son dégât. Maintenant, je l'ai enraciné. Très bien. Je peux reculer. Mais, oups. Si je lui remets un dégât, bah, il a résisté. Donc, ça compte pas. Vous voyez, ça casse le route. Normal. Je suis passé au niveau 2. Et on avance. Alors, dialogue. J'ai compris. Si vous combat. J'ai compris. Compétences de combat. Je suis pas neuneu non plus. Butin, vous ramassez sur les cadavres. Double équipement. Bon, on va voir si on a looté des trucs. Suivi de quête, on est bon. Alors je vois qu'il y a plein de trucs qui s'ouvrent au début de votre aventure. On va faire quand même un point vite fait. Donc ça c'est le. Ça c'est vraiment les mémos à l'ancienne, vous voyez. T'as des icônes, ramasser le butin. Ça n'existait pas ça. Changer d'arme, vous pouvez avoir 2 sets d'armes, hein, voire plus. Ah là j'ai un retour qui me ramène à une pierre de foyer, donc un obélisque, pardon, à un endroit que j'ai visité. Je vais la mettre ici. Mes bandages, je vais les mettre à disposition là, en rapide, comme ça, hop, je clique, je me bande, du coup je me soigne, hop, on regarde un petit peu l'interface, j'ai le chat, grand classique,
barre de vie, barre de PM, ED. Alors ED pour le moment on n'y est pas, mais en gros c'est l'énergie des devas. Plus vous allez faire des combats quand vous aurez fait votre ascension, donc c'est après le niveau 10, plus vous allez gagner de l'ED. C'est une espèce de barre de charge de... Comment on peut rappeler ça, de compétence ultime. Une fois qu'elle arrive au max, vous pouvez utiliser votre compétence ultime qui est différente suivant les classes. Donc ça on n'y est pas encore. J'ai ma barre d'XP en dessous, ma barre, hop, mes barres d'action que je pouvais pouvoir changer, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Le menu principal avec plein de trucs. Le taux d'influence, alors, ça c'est compliqué, mais en gros, suivant ce que votre faction contrôle en zone PVP, les prix des marchands ne sont pas les mêmes. Et ça c'est vraiment cool, c'était vraiment un truc assez novateur dans le jeu. Allez, taxes et prix, nous on est les Asmodiens. Les Élyséens, c'est les autres, autres factions de joueurs. Et les Balors, c'est la faction gérée par l'IA, par l'ordinateur. Qu'est-ce que je dois ramasser? Des fruits d'esprit. Donc là, il faut que je trouve des paniers de fruits. Et vous voyez que on arrive à un début de lancement des MMO. Là, il y a un panier de fruits. Il y en a un autre là-bas. Il a disparu. Et ils sont tout simplement farmés par les joueurs. Alors, je sais pas à quelle fréquence ça pop. Mais attendez-vous. Oui, ça pop... Attendez-vous à avoir des mecs qui ragent, qui combattent. C'est assez compliqué au début. On est dans un MMO comme ça, voilà. Classique, où vous risquez de vous faire un petit peu engueuler, pourrir même. Bah parce que tout le monde se bat pour avoir le monstre de quête. Alors, je vous cache pas que dans cette zone-là de Dishalgun, j'ai des très mauvais souvenirs. Dans les premières heures comme ça, des serveurs où c'est blindé, sur des named. Merde, j'ai raté le clic. Sur des personnages named qui sont impossibles à tuer parce que t'as 10 personnes qui campent et c'est chaud. Et c'est chaud. Mais ça, bon, ça fait aussi partie du charme des lancements de MMORPG. Donc il faut faire avec. Donc là, j'en profite d'être un peu seul pour ramasser mes paniers. Je vais avoir un qui va pop là et un là-bas. Avec un peu de chance, je pourrais avoir les deux. Du coup, j'aurais pas trop attendu, mais tant mieux. Hop. Alors, Ion est l'un des rares jeux, je trouve, où, je sais pas si vous regardez un petit peu le chat, on peut partager beaucoup d'informations sur le chat. Alors, on peut partager des liens externes. Vidéo YouTube, Wikipédia, tout ce que vous voulez. Donc, attention sur ce que vous cliquez in-game. On peut partager aussi des coordonnées. Voilà, pour dire ici, il se passe quelque chose. Ça, c'est très pratique. C'est pas mal. J'aurai un questionnaire qu'il va falloir répondre, très bien. Une penderie. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc la penderie, ça a l'air d'être un truc qui est purement esthétique. On devrait pouvoir changer et teindre son équipement de manière physique, de manière juste, comment dire, visuelle. Une espèce de transmo, je dirais, comme WoW quoi en fait. Si je peux dire ça comme ça. Hop, hop, on va enchaîner la quête. Apportez à Vanar les sphères luminescentes que vous avez obtenues auprès des insectes. Ok, donc il faut taper les insectes de la colline ici pour récupérer les sphères luminescentes. Donc on y va. Donc vous avez remarqué que les autres joueurs, comme moi, ont un nom blanc au-dessus de la tête. Alors ça, c'est les joueurs de ma faction. Et vous comprenez bien que quand on arrivera dans les zones PVP, les joueurs ennemis auront un nom rouge. Oui, dans le PVP ouvert. Le PVP est ouvert de toute façon partout. Sauf ici. Et dernière chose que je voulais vous dire, bah, je sais plus. C'est quoi là? C'est un jeu tri-faction. Enfin, c'est un jeu de factions jouables plus une troisième faction gérée par l'IA. Ce qui fait que là, au début du serveur, comme les joueurs sont en cours de leveling, et ben c'est l'IA qui possède 100% des forteresses et autres dans les zones PVP. Pandry, on a vu. Tous les menus principaux, bon, on laisse. Ici, j'ai ma barre de vol. J'ai une minute de temps de vol. Je rappelle que Ion est l'un des premiers jeux dans lequel, et même le RPG dans lequel, vous pouvez vous envoler facilement. Alors, c'est pareil, on peut pas s'envoler tout de suite au début. On a ses ailes vers le niveau 9-10. Donc, on n'y est pas encore. Faut que je tue encore une bestiole, je crois. J'avais un truc là. 1 sur 9 sur 10, j'ai cru voir. Attendez. 10 sur 10. C'est qui qu'il faut que j'aille voir? Qui qu'il faut que j'aille... Ah oui d'accord, c'est le pass d'Eva. Ah oui c'est le pass. Alors attention, on va essayer de se concentrer. Ici vous avez le pass d'Eva, je ne connaissais pas. On peut l'activer en premium, on va dire qu'on s'en fout. Donc j'ai des quêtes journalières,
des quêtes hebdomadaires et saisonnières. Mener une quête une fois terminée. Tac. Ok, passe standard. Donc je passe au standard. Donc normalement je peux accepter. Ok, à gauche c'est standard et à droite c'est compté en premium. Bon, je récupère des parchemins de course mineure qui me font aller plus vite. Ok, bon, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Où est-ce que je vois mon... La campagne, la fin de campagne, ça dure 28 jours, un pass. Où est-ce que je vois mon XP, entre guillemets? Parce que là, j'ai une barre. Ah, niveau suivant. 1, 30 sur 100. Ah, c'est ça, c'est cette barre bizarre. Ok, bon, bah, il suffit de jouer, en fait, pour avancer dans votre espèce de pass. Très bien, donc il y a le pass qui est... Cliquez sur les mots. Qui est... premium et le pass qui est pas premium. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. On a la boutique, bon bah ça on s'en fout pour le moment. Qu'est-ce qu'on a, la carte on a vu. Et enfin on a, bah c'est le, ça c'est le bouton du pass. Et bah les amis, on a fait un petit tour ensemble. Premier pas sur l'ouverture des serveurs de Ion Classic en mode free to play. Dites-moi en commentaire si vous allez vous y mettre. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez-vous jouer à Ion Classic version Europe? Je serais curieux d'avoir un peu vos réponses. Regardez, moi je vais claquer un parchemin de vitesse. Hop. Voilà, je l'ai claqué. Regardez en haut à gauche. Pendant 5 minutes, vitesse est plus rapide de 10% pendant 5 minutes. Alors c'est pas ouf 10%, mais croyez-moi, c'est un jeu où on fait pas mal d'allers-retours. Donc ça peut être quand même assez utile d'avancer, de gratter 10% de vitesse quand même entre deux points. J'arrive à un petit village. Je vais vous montrer. Et je vais vous quitter ici, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans les villages. Hop, on est à Ulgorn. Si je dis pas de bêtises, ou je sais plus où. Village d'Aldel. D'Aldel, pardon. Et Ulgorn, c'est le chef. Hop, on va. Ok. Là, je suis dans ma fenêtre de quête. Regardez bien. J'ai des livraisons. Donc ça, c'est les quêtes, en gros, pour monter votre artisanat. Vous avez des quêtes normales. Classique, standard. Et les missions. Les missions, c'est la quête histoire. C'est la quête principale. Il faut toujours la faire. Quand vous arrivez dans un lieu, vous avez un obélisque. Donc l'obélisque, vous pouvez vous ancrer dessus. Je le lis à cet endroit, ça me coûte 1 kina. En gros maintenant, hop, si je meurs ou si je me TP, ça me renvoie ici. Ok. On va retrouver d'autres choses utiles. Bon, les instructeurs de classe. Donc suivant votre classe, vous avez divers instructeurs. Il y a l'instructeur des éclaireurs. Vous avez plus loin... Le transporteur et téléporteur. Donc le transporteur, c'est un fly comme dans WoW en gros, qui vous permet d'aller d'un point à un autre. Mais comme j'ai pas vu d'autres points, le transporteur, il y a. Voilà, je peux aller ici, je peux aller croiser dans Turon et je peux, voilà, c'est un, je prends le truc et hop, je m'envole et c'est automatisé. Alors que le téléporteur, lui, ça me téléporte de ville en ville. Et vu que j'ai découvert que cette ville-là, bah, j'en ai pas d'autres. On pourra notamment rejoindre la capitale, etc. plus tard. Instructeur des prêtres, le prêtre, instructeur des mages, ça sera pour moi plus tard. Ici j'ai la boîte à courrier, mais j'ai rien. Qu'est-ce qu'il y en a d'intéressant? Bon, on a les quêtes, on va les prendre tout de suite. Donc allons parler à Tobu, le chef en second. Tiens, on va lui rendre les tractages qu'on a ramassés. Je suis passé niveau 3. L'heure est venue d'apprendre une nouvelle compétence. Allez trouver Jurven et adressez-vous à lui. Salutations. Donc Jurven, vous avez sans doute compris. C'est notre maître des classes, on va y aller tout de suite. Je vois qu'il y a une petite quête bleue qui traîne, je vous conseille vraiment de faire cette quête là. Ça va permettre d'agrandir notamment votre cube. Merci. Et le cube, c'est votre inventaire. Je vous montre ça tout de suite. Si j'appuie sur I, j'ai mon inventaire, il est là, cube. J'ai 3 lignes, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 30 slots de disponibles, 27 pardon, 9 et 9, c'est des 9. J'ai 27 slots de disponibles, je peux l'étendre. Et pour ce faire, faut payer. Donc vous pouvez aller voir le propriétaire de bazar. On n'a même plus besoin d'aller voir l'agrandisseur de cube. Hein. Agrandir le cube pour 960 balles. Regardez mon cube, j'ai une extension. Et le prochain, je peux pas. Il faut être niveau 10. Ok. Donc ça, c'est important de le faire. Ça permet quand même d'avoir plus de loot en poche. Et c'est quand même bien plus pratique. J'ai une petite quête donnée par... Hurle le tailleur ici, je vais la prendre aussi, ça peut aider. Et enfin, on va aller visiter notre maître des classes. Alors celle ancienne, c'est t'achète des sorts dans des grimoires. Dans mes souvenirs. Sauf s'il me fait une... Les instructeurs. Oui. Belle journée, l'instructeur, achète un grimoire. Donc, je suis niveau 3, je peux acheter le sort chaîne de glace.
et quand je serai niveau 5, je pourrai acheter les sorts qui sont ici, et ainsi de suite. J'achète. Nos ennemis vivent dans la terreur. Je le lis, et j'ai appris un nouveau sort. Chaîne de glace. Inflige 90 points de dégâts magiques d'eau à une cible dans un rayon de 25 mètres autour de vous et réduit sa vitesse de déplacement pendant 12 secondes. Alors ça, c'est très bien. Ça va vraiment être notre compétence d'accroche. Vous voyez ? Je vais le mettre en 1. C'est je balance ma chaîne de glace. Du coup, ça lui fait des dégâts, ça le ralentit. Et ensuite, je balance du 2, éclair de feu pour le finish en dégâts. Et j'ai un enracinement qui traîne. L'enracinement, je vais le mettre autre part. L'enracinement, je vais le mettre autre part. Je vais le mettre là. Et je vais lui mettre un petit raccourci. Un petit clic molette. Ça peut être pas mal d'avoir un petit clic molette qui permet d'enraciner rapidement, de faire un route. Donc pour se sauver par exemple. Alors c'est quoi cette barre d'action? Ça doit être la deuxième barre de... Première barre d'action. Non, c'est celle-là. Regardez, hop, roulette. Et voilà, et normalement là. Vous n'avez pas votre cible est introuvable. Donc là, moi je suis prêt. Examinez l'obélisque d'Aldel et désignez-le comme aire d'atterrissage. Pour ça, j'ai déjà fait. Il y a un autre donneur de quête qui traîne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ça fait plaisir. Aurez-vous la force de braver votre destin ? Hop. Donc j'ai moult quêtes. Alors n'oubliez pas, les quêtes, quand vous les prenez, elles s'auto-affichent pas. Faut venir les cocher, hein. Comme ça, vous les suivez bien. Et voilà, et là, regardez. Salutations. J'acquiesce, merci. J'ai une pierre d'appel de Kisk de force spéciale. Invoque un Kisk qui ressuscite les morts à son emplacement. C'est pas mal ça. En gros c'est un... C'est comme si vous aviez un cimetière portatif. Ça vous permet de vous téléporter, enfin de réapparaître rapidement dessus. Alors, Ion c'est vraiment aussi les personnages moches. Il y en a qui créent des persos les plus moches possibles. Donc ça peut être des personnages filiformes, ça peut être des petits gros, ça peut être tout n'importe quoi. Donc là j'ai une quête qui me demande d'aller récupérer des sacs de grains, ça on va le prendre et on va aller voir nos becs pour terminer. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous allez jouer, si vous allez jouer vous à Ion, classique ou pas. Je suis assez curieux d'avoir vos réponses. Moi j'ai pris toutes mes quêtes, je suis opérationnel, j'ai plus qu'à y aller, j'ai plus qu'à continuer et je vous ferai un petit point dans quelques jours pour vous proposer mon avancement. A très bientôt les amis, bye tout le monde, c'était Kaz.